Seigneur, 2018, j'ai décidé d'être une bonne personne. Je vais appeler la police pour que la police vienne régler ça. Moi, j'ai des enfants et tout ça. Voilà, tu fais quoi avec mon gars? Si tu penses que ton gars te trompe, il te trompe. Ouais, toi, t'es qui et tout? Je vais te trouver. Pense les filles. I'm gonna be happy. I'm gonna be good. You better believe it. I'm gonna be happy. I'm gonna be good. Get that understood. Alors, j'espère que vous allez bien. Ça ne va pas ça. Allez. Alors, aujourd'hui, je fais une petite vidéo. Je vous raconte une petite story time. Ok. Au départ, je me suis dit, moi, non. Mais ensuite, vous étiez nombreuses à me dire, oui, Gloria, vas-y, fais ça en story time, blablabla. Je me suis dit, tu sais quoi? Ok, story time. En gros, j'ai des tickets de caisse et tout ça, on sait jamais, parce qu'aujourd'hui, quand on voit des story time sur YouTube, on se demande si, voilà, on se dit comment est-ce qu'une personne puisse avoir autant d'histoires à raconter. Je donne pas de shade ici, ok? Donc, ce qui s'est passé, c'est que je devais filmer, ok? Vraiment, j'ai une petite journée tranquille, rien de spécial. Et donc, je devais filmer, j'ai mis mon équipement en place et tout ça, et... j'appuie play, ok. Je vais m'asseoir tranquille pour pouvoir commencer cette vidéo. Je vais mettre un peu de piment, ok. Donc ça sera long, je vais étirer ça juste là. Voilà, vous me connaissez. Hein. Et je reçois un appel. Et là, je me demande, enfin, je me dis que c'est trop bizarre parce que mes amis, etc., savent très bien qu'il y a certaines heures où il ne faut juste pas m'appeler, vous ne m'aurez pas, c'est juste impossible, ok, parce que je filme et je travaille et tout ça. Je me dis, ça c'est bizarre, c'est un numéro bizarre que je n'ai pas enregistré dans mon répertoire, donc. Voilà, il faut absolument que je prenne ça. Mon téléphone sonne, je le prends, je dis allô, et on m'a submergée. J'ai rien compris. Même mon existence, j'ai pas compris. J'ai reçu un sachet, en fait, un paquet, un colis d'insultes. Je vais te trouver. Seigneur, donnez-moi cette patience, ok? Cette patience dont j'ai besoin maintenant. Je me suis dit, ça va pas passer. Moi, je suis en train de filmer et je me suis dit, ok, c'est pas grave, c'est une blague. Ok, ça doit être une blague. Ce sont mes amis. Et donc, bref, quand la personne s'est calmée, genre quand elle commençait à ralentir et qu'elle n'avait plus d'insultes à lâcher, parce qu'elle a vraiment lâché toutes les insultes, et ben là, j'ai attendu genre 2 secondes et j'ai pété de rire. J'ai rigolé comme pas possible. Je me suis dit, attends, mais c'est. Ouais, voilà, c'était drôle, les gars, c'était drôle. Okay, bon, voilà, bon, je dois y aller. Maintenant, je dois filmer. Et la personne continue à m'insulter, etc. Donc, je me suis dit, tu sais quoi? Je raccroche, je retourne à ma vidéo parce que je voulais filmer tranquillement en tant que blogueuse digne, tu vois. Je reçois encore un appel, genre 2 minutes plus tard. Et là, j'ai quand même pris, je me suis dit, oh, ça doit sûrement être mes potes, voilà, qui vont probablement m'avouer que voilà, c'était une feinte. Gloria, c'était une feinte. Et donc, je reprends le téléphone et des insultes. Je raccroche. Ensuite, mon téléphone sonne encore. Ok, je voulais. Franchement, là, c'était plus drôle. Je commençais à m'énerver, ça commençait à m'irriter, etc. I am not in the best of moods this morning. Voilà, je n'arrivais juste pas à faire ma vidéo. Peut-être même que c'est pas mes potes, peut-être que c'est quelqu'un qui a eu mon numéro ou voilà, qui voulait juste me faire une femme tout simplement. Et voilà, mais je veux juste qu'on m'avoue et puis qu'on me laisse tranquille. Je me suis dit, Seigneur 2018, j'ai décidé d'être une bonne personne. Et donc la personne me dit, je sais où t'habites. Qu'elle allait ramener des personnes et tout ça pour venir me taper et qu'elle savait très bien où j'habitais et qu'elle avait vu mon visage sur WhatsApp. Oh hell no! Directement, j'ai changé moi-même de visage. J'ai dit, oh ma copine, il faut t'asseoir, il fallait me dire, discutons, tu vois, discutons. Qu'est-ce qui se passe? Explique-moi. Je veux pas que tu m'insultes, je veux que tu m'expliques la situation. Et donc, ouais, j'ai commencé à comprendre en fait que c'était vraiment sérieux. Parce qu'elle m'a dit, oui, moi j'ai des enfants et tout ça. Voilà, moi je comprends pas, j'ai trouvé ton numéro dans mon téléphone. Comment ça se fait? J'ai reçu un message de toi qui dit, oui, t'es où? Voilà, je t'attends et tout ça, chérie. Nanana, nanana. Et donc moi je vois ça sur le téléphone de mon gars. Je pète un câble, j'ai envie de savoir et tout ça. Et j'ai su qu'elle ne mentait pas parce que j'ai entendu les enfants derrière. Et là, j'ai compris que c'était quelque chose de sérieux. Hey!
Je me suis dit, hell nah! Il faut absolument que tu le fasses cracher le morceau parce que là, c'est pas normal. Franchement, juste pour te dire, je pensais que c'était une blague que mes amis me faisaient ou je ne sais quoi. Voilà, parce qu'il m'a passé son téléphone, son ancien téléphone. En gros, il utilisait son ancien téléphone. Et j'ai vu ces messages-là parce que c'est resté tout simplement. Là, j'avais chaud. J'avais chaud, surtout qu'elle m'a menacée juste avant, j'avais chaud. Et donc voilà, elle m'a dit, c'est pas comme si j'avais récolté des trucs sur Instagram ou quoi que ce soit, c'est juste que c'est ton numéro. Donc j'ai appelé le numéro et je suis tombée sur toi. Et là, je me suis dit, attends, là je deviens folle. Là, je deviens folle. Comment est-ce que je vais prouver mon innocence? C'est juste impossible. J'ai essayé de la manipuler un peu, hein. Je suis désolée, j'étais innocente. Je lui ai dit, écoute ma chérie et tout, il faut utiliser ma chérie, ok? Tu utilises ma chérie, Léna. Écoute ma chérie, moi je sais vraiment pas. Moi franchement, si j'avais pris ton gars, je te l'aurais dit. Je savais pas que t'étais là, etc. Je m'excuse, moi je pensais qu'il était célibataire ou je ne sais quoi. Mais voilà, moi je te l'aurais dit, cash net, je l'aurais coincé. On l'aurait coincé à deux. Simplement, je suis désolée, solidarité féminine avant tout. Là je la manipulais même pas, hein. Mais voilà, je la manipulais juste avec les petits mots chéris, ma copine, les chouchous et tout, tu vois, juste un peu, tu vois. Et elle était toujours en colère, elle plaçait des fois quelques petites insultes, mais vraiment vite fait. Je me dis, ah, cette fille elle est un peu bipolaire comme ça, mais c'est pas grave, ok. Essayez de lui faire comprendre que voilà, que j'étais de son côté à elle. Je lui ai dit, écoute ton gars, il est comment? Comment il s'appelle? Présente-le moi. Enfin, moi, je veux tout savoir sur lui, tout simplement. Donc là, directement, je sais pas ce qui s'est passé. Pourquoi tu me dis ça et tout ça? Tu sais très bien le gars que tu t'es tapé. Je me suis dit, non, Gloria, manipulation, ça doit venir encore, ça doit venir encore. J'ai dit, non, mais ma chérie. Puis directement, elle s'est calmée un peu, tu vois. J'aimerais juste savoir ce qui s'est passé. J'aimerais juste savoir si je connais ou pas ton gars et tout. Nanana. Elle m'a dit, ok. Je dis, on continue seulement, t'en bouche là. Et il s'appelle, il s'appelle Chips, ok, il s'appelle Chips, je me suis dit, ok, d'accord, je ne connais pas de Chips, donc, ni même dans mon cercle d'amis, je ne connais pas de Chips, mais c'est pas grave, continue. Et donc voilà, elle m'a dit qu'il était arabe, ce qui est très très important, parce que j'ai besoin de savoir, voilà, où regarder, où chercher. Je lui ai dit, écoute, moi je ne suis pas raciste, ni quoi que ce soit, mais ça n'a jamais été mon truc, les arabes, mais bon, continue quand même, il a quel âge? Elle me dit, il a 30 ans. Yo, hell no! Oh! Hell nah. Moi je dois sortir avec un papa, un vieux mouchina, hein? Non, du copine, tonton scol, vieux comme ça. Écoute, voilà, là ce serait mon sugar daddy. Et puis elle me dit, non, t'as 23 ans, 23, 30 ans, ça va. Je lui dis, ok, d'accord, ça va, mais non, ok. Elle me dit, oui, non, mais je m'en fous et tout. Comment ça se fait que ton numéro soit là? Je lui dis, moi je ne connais pas de gars qui s'appelle Chips, qui est arabe, qui a... Non, elle m'a pas dit arabe, ouais, elle m'a dit... Non, elle m'a dit pakistanais, elle m'a dit pakistanais. Je me suis dit, non, je suis désolée, je ne connais pas de pakistanais. Je n'ai jamais été, genre, c'est même pas dans mon cercle d'amis, quoi, tu vois ce que je veux dire? Puis Gloria, vraiment, inspecteur gadget. Non, là, j'ai pas blagué. Là, je me suis dit, le gars, là, on va le serrer. On va le serrer, je suis désolée. Là, je voulais carrément construire une team. On est là, comme je vous ai dit, team de jour et team de nuit, des remplaçantes, des contacts chez Facebook, Google et FaceTime. Non, moi, je voulais le coincer. Parce que moi, j'aime pas ça, ok? On ne blague pas avec les meufs. Ok, moi c'est genre, c'est solidarité féminine, tu vois. Je lui ai dit, donc tu lui as parlé de moi à ton gars, à Chips. Elle me dit, ouais, tout ça, je l'ai déjà confronté, blablabla, blablabla. Je me suis dit, ok, c'est pas grave, donne-le-moi. C'est genre le gars avec des accents de partout, je ne comprends même pas ce qu'il dit. Et il me dit, moi je ne comprends pas et tout ça, nanana. Voilà, c'est vraiment, voilà, je me suis dit, mais qu'est-ce que, moi, like... Non, je comprends pas. Il y a quelqu'un qui joue avec moi. Hey! Comment ça se fait que mon numéro est dans votre téléphone? Il y a quelque chose qui s'est passé et j'ai besoin de savoir. Il me dit oui, non. Voilà, avec des accents partout et tout ça. Hein. Elle m'énerve et tout ça. Moi, je comprends pas. Elle a vu le numéro, elle devient folle. Moi, je te connais pas et tout ça. Nanana. Et je me suis dit, purée, la go, elle va vraiment penser que je suis en train de mentir ou collaborer avec ce gars-là pour qu'on essaye de masquer l'histoire ou quelque chose comme ça. Je dis, écoutez, moi, qu'on me laisse tranquille. Moi, si c'est comme ça, je vais appeler la police pour que la police vienne régler ça. Parce que moi, je veux pas de soucis, ok? En plus, la fille, elle a vu mon visage. Moi, je veux pas de, je sais pas, qu'on me jette de l'acide sur le visage ou je ne sais quoi. Là, moi, j'aime pas les trucs comme ça. Vous savez très bien, une femme amoureuse, c'est une femme dangereuse, ok? Franchement, il faut que ça se règle. Sinon, moi, je vais à la police. La femme revient. Vous habitez où? De quelle ville? Moi, je veux tout savoir, ok?
là vraiment je me suis transformée en esprit criminel et des trucs comme ça, nanana. Ok, me ramenez pas dans les drama, je déteste ça. Tu sais, elle commence à pleurer et tout ça, je veux la vérité, nanana. Je lui dis, écoute, franchement, moi je sais pas quoi te dire d'autre. Ensuite, je lui demande, quand est-ce que le message a été envoyé? Elle me dit, le message a été envoyé en mai 2017. Je me suis dit, like, copine, tu veux détruire ma vie ou c'est comment? Je sais même pas quoi te dire, quoi. Ouais, en tout cas, il doit... Comment tu reçois le message? C'est impossible, d'accord? Enfin, allez. Il est en mai 2017, t'as eu le temps de penser à tout ça depuis, et c'est maintenant que tu viens. Donc la fille qui était vraiment mon ennemi, pas vraiment mon ennemi, hein, moi je n'ai pas d'ennemi, je suis bien avec tout le monde, ok? Mais la fille qui était mon ennemi est devenue vraiment mon amie, limite BFF, hein. Et je commençais à lui donner des tactiques vraiment pour serrer son gars. Désolée de te dire, mais je pense que il est en train de te mentir. Je pense qu'il y a quelque chose qui s'est passé ou je sais pas, mais... Ouais, et surtout si tu l'as demandé, qu'il t'a rien dit au départ, nanana. Et là, elle voyait vraiment qu'en fait, je voulais collaborer avec elle. Et je lui ai dit, écoute, non, on joue pas avec ça, t'as des enfants et tout ça, moi je te comprends. Et son gars, derrière, il a dit, ouais, moi la connais pas. Elle a commencé à l'insulter, elle l'a enchaîné jusqu'à... Ouais, franchement, il s'est rien passé avec ton gars, mais ton gars là, il est suspect. Ah, c'est pas avec moi, mais il t'a trompé sûrement. Si tu penses que ton gars te trompe, il te trompe. Et je lui ai même dit, écoute, si tu veux me recontacter ou quoi, n'hésite surtout pas à me contacter si tu veux des conseils ou quoi. Vraiment, hein, je vais vous mettre le clip pour que vous voyez bien. Donc voilà quoi, au pire si tu, je sais pas, tu peux toujours me rappeler ou m'envoyer un message ou quoi pour me dire que l'histoire c'est pas réglé. Ouais, non, c'est sûr. Hey, on joue pas avec ça. En plus, t'as des gosses. Non. Ok. Ouais, franchement, fais ce que t'as à faire. Donc voilà, c'est ce qui s'est passé. Et le soir même, elle m'a envoyé un message en disant, oui, en fait, je pense que ça ne peut que être ça. Je lui ai dit, ok, d'accord, j'écoute ton hypothèse. Hein, et je n'y avais même pas pensé. Il faut que je retourne dans mes bouquins. Moi, je sais comment serrer un gars. Tu vois, moi, j'ai toujours été là pour mes potes. Je sais comment serrer un gars. Donc là, elle m'a ramené une hypothèse hyper logique. Et je me suis dit, bah oui, ça ne peut que être ça, en fait. Et donc, en gros... Elle pense que je me suis tout simplement trompée numéro, que j'ai voulu envoyer un message à quelqu'un et que je me suis trompée numéro tout simplement, ou que j'ai prêté mon téléphone à quelqu'un et que la personne s'est trompée d'un chiffre ou de deux chiffres ou quoi et a envoyé à ce gars-là tout simplement. Et je me suis dit, bah ouais, mais c'est pas pour te dire, même quand j'ai parlé avec ton gars, la manière dont il avait chaud, la manière dont il parlait, sa voix, j'ai dit, moi j'ai été longtemps dans les bouquins. Il y a quelque chose qui se passe qui n'est pas clean. Ah, puis elle m'a dit merci et tout ça, je suis désolée et tout ça de t'avoir traité de ta la je dis peut-être là. Et je dis oh non, c'est pas grave et tout, nanana. Et j'étais vraiment très très contente aussi de pouvoir l'aider dans ça, même si je n'ai pas trouvé la solution et qu'elle l'a trouvée elle-même, parce que pour moi c'était vraiment fou quoi. Il y a une petite morale dans l'histoire, c'est que moi je respecte énormément la femme en fait. Pourquoi? Parce que d'une, elle a eu cette jugeote en fait. Elle a eu cette jugeote de devoir d'abord confronter son gars avant de venir vers moi. Et ça, c'est très très important. C'est pour ça que j'ai juste décidé de passer plus de temps au téléphone avec elle tout simplement. J'étais censée filmer, etc. Mais j'ai juste voulu la consoler. Parce qu'il y a des gos, vraiment, elles sont folles. Elles vont chez la go en mode ouais, toi tu fais quoi avec mon gars là? Et ton gars là? Tu vois ce que je veux dire? Elle est venue vers moi, elle m'a enchaînée comme il se doit. Donc copine plus un aussi, un petit cookie pour toi, parce que tu m'as bien enchaînée, ok? Ça c'est très bien, ok? Formation plus un. Au téléphone elle m'avait aussi dit que ouais, moi ça me dit rien de rester avec un gars qui me trompe alors que j'ai un enfant avec lui. J'ai dit copine, ça je te respecte énormément pour ça. Je lui ai dit s'il faut le serrer, tu le serres. Que t'aies un enfant ou pas, c'est vrai que c'est difficile, mais tu le serres s'il faut le serrer, ok? Et ça j'ai aussi beaucoup de respect pour elle. On me dit non, il n'y a personne. Il me jure, il n'y a personne. Ouais, non, clairement. Si jamais vous vous retrouvez dans cette même situation ou quoi, il faut quand même que vous puissiez continuer à réfléchir en fait.
vous êtes amoureux, c'est très bien tout ça, les chichis, mais il faut réfléchir. Il faut réfléchir, il ne faut pas être sous l'émotion, en mode, ouais, je vais aller taper la go. Non, ok, gère d'abord ton gars. Attache-le, tu vois ce que je veux dire. Et ensuite, tu vas chez la go, ok. Parce que la go, des fois, elle ne sait même pas que toi-même, tu es là. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Moi, j'étais vraiment dans mon coin, en train de réaliser mon travail. Une petite étudiante. J'arrête pas de dire étudiante alors que je suis plus étudiante depuis je ne sais quand, mais voilà, une petite individu, hein, une petite individu qui faisait son taf vraiment loin loin dans une petite ville comme Bruxelles, et on est venu me déranger comme ça. On est venu me déranger. Et donc voilà, c'est tout ce qui s'est passé. C'est tout ce qui s'est passé. C'était pas genre hyper hyper gité, tu vois, c'était pas très très gité, juste un peu d'égide, tu vois. Mais mais voilà, si jamais je trouve encore une autre histoire à vous raconter, je n'hésiterai pas, ok, promis, ok. Mais là, je n'ai pas story time et ça ne me dit rien de commencer à m'inventer des vies ou quoi que ce soit, ok. Et donc voilà les gars. Mouah.